Voilà. Donc derrière cette herbe, là, en bas de cette allée, il y a une chapelle dédiée à Sainte Godelaine. Sainte Godelaine, c'est une sainte qui est tombée, qui était aveugle, qui est tombée dans un étang et qui a retrouvé la vue. Donc il y a une source au pied de la chapelle qui a des vertus pour guérir les gens qui ont des problèmes aux yeux. Notre balade d'aujourd'hui, c'est pas une balade ordinaire. Voilà, c'est une balade qui sert de repérage pour mettre en place la sécurité pour une sortie qui va avoir lieu le week-end prochain. C'est-à-dire que les membres de l'Opal Shore Chapter et certains propriétaires de voitures de collection emmènent les adultes handicapés du centre de Conteville pour faire une balade. Donc c'est organisé tous les ans par Francis et ça a pour but de sortir un peu les personnes handicapées de leur contexte et d'aller les balader. Donc les personnes avec un handicap un peu profond sont transportées dans les voitures de collection et les autres sont transportées derrière les motos. Donc ils sont déjà au courant de ce qui va se passer et je peux vous dire que ils attendent avec impatience la sortie qui va avoir lieu quoi, la semaine prochaine. Alors comme vous pouvez voir, ça va sembler bizarre pour certains. C'est qu'on a une équipe de safety qui s'occupe de la sécurité. Donc pour ne pas briser le convoi la semaine prochaine, ils vont sécuriser les carrefours, ils vont sécuriser les ronds-points. C'est magnifique le ciel des Hauts-de-France. Et on a du beau patrimoine aussi, comme vous pouvez le voir sur la gauche. La balade est assez agréable, les températures sont plutôt douces. On apprécie le moment présent. Oui. Alors, si vous voyez correctement devant nous, vous pouvez voir les côtes anglaises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont particulièrement bien dégagées. On les voit bien, hein? Même jusqu'au bout, hein? D'habitude, on ne voit pas si loin, là. Rien de le devant le vieux bus. Oh ouais, c'est parce que il y a du monde et puis il y a Patrick qui est là.
Bah regarde, on voit les côtes anglaises là sur la droite. C'est dommage, on les voit bien aujourd'hui, hein. Il y a des yourtes là, regarde. Ah non, c'est pas dessus, c'est des... C'est des cochons qu'il y a dedans. Là, ici. C'est la brasserie des deux caps, c'est ça, la bière artisanale. Regarde devant les côtes anglaises. Alors là, juste en face, super. C'est le phare du Cap Griné. Alors du Cap Griné, nous sommes à 32 km des côtes anglaises. Elle est pas belle la côte d'Opale, c'est pas beau là. Le soleil qui se reflète comme ça sur la mer. Magnifique.
Alors ici, on est arrivé sur le parking du site de Cap Griné. Qu'est-ce que c'est beau là devant, gars. Là en face c'est le Cap Blanc-Nez. Magnifique, magnifique. Je m'en lasse pas de toute façon. On va peut-être dire que je suis chauvin, mais à chaque fois que je viens ici, je suis toujours aussi émerveillé. La route des deux caps, Boulogne-sur-Mer, Cap Griné, Cap Blanc-Nez, direction Calais, c'est magnifique. L'arrière-pays du Boulonnais. C'est pas beau tout ça? C'est joli, hein?
Elle est magnifique, la Côte d'Opale, je le dis tout le temps. Regarde, jusque là-bas au bout. Hein. Une belle petite route, hein? Juste en face, c'est le fort d'Ambleteuse. Le fort d'Ambleteuse. Regardez-moi ça, si elle est pas jolie, notre Côte d'Opale. Magnifique. Sur la gauche à l'horizon, toujours les côtes anglaises. Oh, ça sent bon, les embruns, ça sent bon la mer. Il est beau le pont, hein. Monument à l'effigie de Napoléon, la colonne de la Grande Armée, près de Boulogne-sur-Mer. Symboliquement, Napoléon tourne le dos à l'Angleterre, car il n'a jamais réussi à conquérir cette île. De toute façon, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça va être beau. Alors,
Donc on les ramène ici, c'est bon maman. La journée s'achève sur la côte d'Opale. Allez, on y va.